Bonjour à tous et bienvenue à la première vidéo d'un nouveau format. Pour ceux qui ont déjà suivi une formation théorique sur la dermocarcinologie et le dépistage des cancers de la peau, euh, le groupe de travail de l'Association des médecins généralistes dermoscopistes français euh, concernant la formation continue euh, vous propose une euh, sortie euh, basée sur le journal Dermatology Practical and Conceptual qui sort de manière trimestrielle. Et qui euh, permet de voir les nouveautés sorties en dépistage des cancers de la peau et en, der et en dermoscopie. Et je vous propose du coup le, la sortie numéro 13, le volume numéro 13 euh, d'avril 2023. Commençons avec euh, les mélanomes, ce qu'on appelle featureless, c'est-à-dire les mélanomes sans signe euh, franc en faveur d'un mélanome. Ce sont environ 9% des mélanomes qui sont des featureless, c'est-à-dire sans aucun critère dermoscopique ou alors en tout cas en dessous des cut-offs pour le diagnostic. Et c'est le suivi évolutif, donc l'examen clinique complet, voire le total body mapping qui permet d'en faire le diagnostic. Dans 40% des cas, c'est l'apparition de critères de mélanome qui permet d'en faire le diagnostic, mais dans 60% des cas, il reste featureless et c'est juste une évolution de critères qui ne sont par ailleurs pas inquiétants. Ça permet donc euh, de voir l'intérêt du suivi évolutif, notamment pour les patients à haut risque. Pour les patients, je vous rappelle, ayant des risques importants de mélanome, c'est-à-dire les gens qui ont un antécédent dans la famille euh, au premier degré de mélanome, les gens qui ont eu eux-mêmes un mélanome et à plus forte raison les gens qui ont... Un, une mutation génétique, notamment de CDKN2A ou de CDK4, il est intéressant d'avoir une vidéo également pour les gens présentant énormément de névus. Euh, ça permet d'avoir euh, une visualisation des différentes lésions, même des plus petites, et ça permet de voir l'évolution et d'éviter justement ces, euh, de louper ces featureless melanoma en pouvant surveiller toutes les lésions chez ces patients à très très haut risque. A l'inverse, pour les patients à plus faible risque, il ne faut surveiller que les lésions qui sont, les plus, enfin, qui sont atypiques et qui vous posent un problème diagnostique. Par contre, pour ces patients à très haut risque, il est important d'avoir une surveillance de toutes les lésions pour ne pas louper ces featureless mélanomas. Euh, la moyenne avant le diagnostic est de 20 mois, puisque c'est souvent sur l'évolution, comme on l'a dit, dans 60%. Et les patients en moyenne du Breslau est à 0,48 mm, donc c'est des mélanomes qui finalement sont repérés assez tôt, euh, même si à 0,48 il y a déjà un risque d'envahissement, euh, même s'il reste assez faible. Parlons maintenant des mélanomes desmoplastiques, qui sont une, une forme rare de mélanome. Ils sont souvent chez les patients dans la 60 70 chez les patients caucasiens. Euh, il y a une composante dermique à la napate. Cliniquement, ça va ressembler à un nodule ou pseudo-cicatriciel, souvent au niveau de la tête ou de la nuque. Et dermoscopiquement, vous allez avoir des signes de régression plusieurs couleurs, un patron vasculaire atypique, donc linéaire, en point, globulaire, donc souvent un patron multicomposé euh, l'apparition d'ulcérations, d'air blanche ou dépigmentées. Euh, tout ça pour dire, ces signes sont des signes en faveur d'un mélanome, vous le savez, mais donc toujours ce fameux adage de se méfier des nodules rosés qui sont la plupart du temps, euh, surtout s'ils répondent à la règle EFG, Elevated Firm and Growing, euh, le but étant de ne pas louper ces euh, mélanomes acromiques euh, dont font partie la plupart du temps les mélanomes desmoplastiques. Le but euh, est d'éviter ça, d'où rappelez-vous la règle EFG et regardez bien toutes les lésions acromiques au dermoscope et faites très attention à la vascularisation. Et le pronostic par contre de ces mélomes desmoplastiques est plus est meilleur que celui des mélanomes à Breslau et à Breslau équivalent, même si le Breslau est le, le truc le plus important, bien entendu, vous le savez, le pronostic est souvent un peu meilleur, puisque ça se comporte plutôt comme un sarcome, avec une agressivité locale, plutôt qu'une euh, évolution métastatique d'emblée. Parlons maintenant d'une localisation particulière, les mélanomes du crâne et de la nuque. Euh, Je vais faire un petit peu plus que dans le DPC pour vous rappeler quelques petites choses. Euh, déjà, les névus au niveau euh, du crâne et de la nuque sont des névus qui sont congénitaux. Euh, il est quasiment impossible d'avoir un névus jonctionnel à après 50 ans. Euh, donc il est très important de faire une corrélation avec l'anapathe si. On vous répond névus jonctionnel sur une tumeur mélanocytaire du crâne ou de la nuque, nuque haute bien entendu, euh, alors vous devez faire une corrélation avec la car il sera plus probablement un mélanome qu'un névus. Le névus jonctionnel est quasiment impossible à ce stade-là. Cliniquement, ils ne vont être plats que chez l'enfant, ils vont toujours prendre du relief par la suite. Donc de la même manière, une lésion suspectée mélanocytaire chez la personne âgée et qui est plate doit vous inquiéter au plus haut point. Et donc la forme habituelle est le névus de type Meischer qui est en dôme hypopigmenté euh, avec euh, au niveau de la dermoscopie un tableau réticulaire ou globulaire euh, avec un patron ce qu'on appelle en couronne d'épines euh, puisque vous avez en gros une zone centrale plus claire et sur le côté euh, en, en périphérie du réseau ou des globules avec euh, un aspect un petit peu euh, patchy qui peut ressembler à une couronne d'épines. Le mélanome, dermoscopiquement, va montrer un patron qui va être aspécifique quand il est épais et réticulaire quand il est fin. Euh, plutôt un pseudo-réseau en frontal et un véritable réseau en occipital. Donc méfiez-vous beaucoup des lésions plates du crâne avec un réseau chez l'adulte. C'est très inhabituel, les névus seront en relief. Donc si elle est plate, soit vous êtes en face d'un lentigo, mais il y aura des caractéristiques spécifiques, soit c'est un mélanome. Le pronostic est très mauvais sur la localisation du crâne euh, et attention, 25% de ces mélanomes sont sur euh, un crâne avec cheveux, euh, d'où l'intérêt d'aller bien vérifier euh, le crâne lors de l'examen clinique complet, en particulier chez les patients avec des risques particuliers, par exemple les gens avec des mutations génétiques ou les gens ayant déjà eu un mélanome ou un mélanome dans la famille. Euh, attention au risque de sous-estimation en cas de biopsie partielle et même en cas d'exérès complète, les éléments initiaux sont très peu visibles en anapath un peu comme sur les muqueuses par exemple. Vous, devons, vous devez donc faire très attention en donnant vraiment des arguments à l'anapate en disant Dermoscopiquement et cliniquement, c'est quasiment impossible que ce soit un névus. Euh, merci de confirmer et en cas de névus jonctionnel retrouvé, demander un deuxième avis à c'est une localisation très particulière de ce côté-là. Un petit point maintenant sur une entité particulière qui est la tumeur baso-mélanotique, euh, pour laquelle on n'a pas vraiment d'éthiologie exacte. Soit certains auteurs évoquent une collision, d'autres un champ de cancérisation, ou alors une double différenciation à partir d'une même cellule souche. Globalement, lorsque vous avez un mélange histologique entre un mélanome et un baso, je ne parle pas de deux lésions l'une à côté de l'autre, mais bien un mélange des deux, le pronostic est globalement meilleur qu'un mélanome isolé à taille identique. Et souvent, dermoscopiquement, vous aurez un des deux diagnostics qui est prévalent, euh, où ça ressemblera vraiment plus à un évu, à un mélanome, ou vraiment plus à un baso. Je vous fais un petit point sur une tumeur rare, la tumeur à cellules granuleuses, euh, qui est une tumeur qui survient à tout âge, mais surtout entre 20 et 60 ans, euh, plus fréquente chez la femme. Cliniquement, vous aurez un nodule unique, ferme, plus ou moins pigmenté, sur les, qui peut être sur les muqueuses, la tête ou la nuque, parfois sur les seins. Euh, qui répondent donc aux critères EFG et nécessitent une exérèse. Euh, vous ne vous seriez donc pas trompé. Dermoscopiquement, vous avez des zones jaunâtres entourées de lignes brunes radiaires en périphérie notamment de la lésion. Euh, il peut exister une disquamation périfoliculaire. certains cercles un petit peu pâles comme on peut en voir parfois euh, dans, euh, autour des follicules, comme on peut en voir parfois dans les épidermoïdes. Euh, S'il y a des poils, ils seront enroulés sur eux-mêmes. Euh, il existe un anexotropisme dans ce genre de lésion euh, et parfois des zones pâles sans structure. Le diagnostic différentiel selon la présentation sera entre le dermatofibrome, euh, la le lentigo, une mastocytose, un mamelon surnuméraire, parfois un syringome. Euh, dans tous les cas, le diagnostic dermoscopique est vraiment difficile à faire et n'est pas spécifique puisque d'autres tumeurs peuvent avoir les, des caractéristiques similaires. Globalement, le pronostic est très rassurant mais une à 1 à 2% des lésions sont malignes. Euh, il faut donc faire une exérèse complète. Euh, il y a un risque de récurrence locale. Et les signes cliniques qui sont évocateurs de malignité sont une tumeur grande de plus de 4 cm, des plages nécrotiques hémorragiques ou une croissance rapide. Mais dans tous les cas, même si vous faisiez le diagnostic euh, clinique et dermoscopique de tumeurs à cellules granuleuses, une exérèse... Euh, Total est importante et est recommandée du fait de risque de récidive locale et de l'impossibilité d'être parfaitement certain du caractère bénin. Il faut donc faire une exérèse complète. Euh, je fais un petit point sur le schwannome, euh, qui sont donc euh, des tumeurs, des tissus mous qui sont mal définis parfois douloureuse dans environ 30% des cas. Dermoscopiquement, vous allez avoir des vaisseaux arborescents qui sont avec une surface blanchâtre ou jaunâtre, translucide, et parfois il y a un pseudo-raison en périphérie et des zones roses sans structure. Le diagnostic différentiel se fait entre un neurofibrome, une tumeur molliciforme, un kyste épidermique. Euh, un lipome ou un baso. Le diagnostic est là aussi assez complexe à faire sans anatomopathologie, puisqu'on est en face d'une lésion avec un patron vasculaire euh, non pas atypique mais euh, non spécifique. Euh, surtout si la tumeur est douloureuse, l'analyse histologique sera la plupart du temps euh, nécessaire, bien que le diagnostic soit bénin. Je me permets de faire un point sur le complexe de Carnet. Euh, qui est une maladie autosomique dominante, euh, qui mêle des lentigines, notamment au niveau euh, du corps, des myxomes cutanéo-muqueux, des névus bleus multiples et des choanomes également. Donc, euh, il est important, si vous voyez un diagnostic de schwannome ou alors de nombreux névus bleus, de se poser potentiellement la question de ce diagnostic. Euh, et souvent, il y en aura dans la famille, puisque c'est autosomique dominant. Euh, pourquoi Car tout simplement il y a des myxomatriaux, euh, des fibroadénomes myxoïdes mammaires, euh, et du coup il, euh, il est important puisque aussi il peut y avoir des tumeurs testiculaires, notamment des calcifications, des cellules de Sertoli, des tumeurs thyroïdiennes, des tumeurs pituitaires, et donc euh, il est important de connaître ce diagnostic. Euh, génétique tout simplement pour pouvoir faire le diagnostic des autres maladies, puisque d'un point de vue euh, cutané, ça ne pose aucun problème, puisque aucune des tumeurs n'est maligne. C'est plus pour pouvoir faire le diagnostic des autres tumeurs, notamment cardiaques ou neurologiques. Un petit point sur le trichoépithélium, euh, ce qui fait partie des euh, tumeurs euh, annexielles issues du follicule pileux. Euh, le tricoépithélium et le trichoépithélium desmoplastique sont des tumeurs bénignes euh, qui sont la plupart du temps des lésions solitaires qui peuvent être soit une plaque, soit une papule ou un nodule rosé qui va souvent être couleur peau. Euh, le diagnostic différentiel est souvent avec le carcinome basocellulaire. Dermoscopiquement, il y aura souvent un fond ivoire sur la totalité de la lésion pour la forme desmoplastique, euh, des vaisseaux en couronne, des zones blanches mal définies. Euh, parfois des kystes de kératine ou des stries blanches brillantes et dans le tricoépithélium classique vous aurez des vaisseaux arborescents fins mal focus et toujours ce fond blanc brillant parfois des kystes de milium donc le diagnostic différentiel avec le baso se fait essentiellement sur le fait d'avoir des vaisseaux téléangectasiques mal euh, définis contrairement dans le carcinome basocellulaire euh, il semble difficile de ne pas faire une exérèse pour être parfaitement certain euh, n'oubliez pas si vous voyez euh, une euh, tumeur type trichoépithélium de penser également au syndrome dont on a parlé juste avant qui est le syndrome pardon de Brooks-Spiegel, donc pas le, on n'a pas parlé juste avant, excusez-moi, ou le syndrome de Rombo, qui sont également des syndromes génétiques. Quand vous voyez des tumeurs un peu inhabituelles, pensez aux euh, maladies génétiques essayez de regarder s'il ne peut pas y avoir des maladies génétiques, ne serait-ce que pour pouvoir faire le diagnostic des autres tumeurs, puisque ces tumeurs, encore une fois, sont bénignes dans le cas de la peau. Euh Maintenant nous parlons à l'inverse du syndrome de Brooks Spiegler, qui est donc une tumeur autosomique dominante rare. Cliniquement, vous allez avoir à la puberté, puis progressivement, une accumulation de lésions bénignes qui vont pour certaines avoir un potentiel de transformation. Ça va être des papules ou des nodules multiples de la tête et du tronc. Euh, ça va être des cylindromes, des tricoépithéliomes, des spiradénomes. Donc à chaque fois que vous avez une de ces tumeurs annexielles un petit peu rares, surtout si elles sont multiples chez le même patient. Et surtout, s'il y a un caractère euh, familial, il peut être intéressant d'adresser le patient pour faire le diagnostic de syndrome génétique. Euh, et à chaque fois, il y aura de toute façon une chirurgie pour éliminer toute malignité. Passons maintenant sur l'onico-hétérotopie, qui est la présence d'un ongle qui pousse un endroit où il ne devrait pas euh, à cause d'une matrice ectopique. Soit ça peut être congénital, soit ça peut être acquis, euh, notamment par une polydactylie infraclinique, ou alors euh, l'inoculation traumatique de cellules matricielles, ce qui peut arriver. Et le diagnostic est clinique, mais c'est la chirurgie qui permettra de régler le problème. Puisque c'est la présence d'une matrice, il faut donc l'enlever. Parlons maintenant des télangiectasies névoïdes unilatérales ou bilatérales. Euh, ce sont des télangiectasies superficielles du haut du corps qui suivent les métamères, surtout de C3 à T3. C'est souvent unilatéral même si ça peut être bilatéral et il y a visiblement un côté oestrogénique sous-jacent euh, puisque c'est souvent à la puberté, lors de la grossesse ou des cas par exemple liés à l'utilisation de tamoxifène. Un Petit point thérapeutique maintenant avec une nouvelle formulation du 5FU, anciennement FU, enfin, le 5FU à 5% et l'EFUDIX, et le 5 fluoro à 4% est une autre euh, par un autre laboratoire. Euh, L'AMM est pour les kératosactiniques et les champs de cancérisation du crâne. Euh, il n'y a pas de comparatif qui a été fait avec l'EFUDIX. La formulation est 1 par jour pendant 4 semaines, alors que pour les FUDIX, c'est 2 par jour pendant 4 semaines. Et dans cette étude, je vous rappelle, qui n'a pas de comparatif avec les FUDIX, il y a 74,5% de taux de rémission complète euh, à 8 semaines et 20,4%. Euh, significative en plus ce qui veut dire qu'en gros on a une amélioration au moins significative dans 94% des cas et à 6 mois il y a 65% des patients qui n'ont pas de récidive donc un bénéfice plutôt euh, potentiellement intéressant pour les patients euh, qui ont euh, une euh, kératose actinique et notamment un champ de cancérisation euh, je qu'il est aussi important d'attendre des études comparatives avec le 5 fluorocyle 5% mais je tenais à vous montrer cette publication sur la formulation à 4% puisqu'elle est plus simple d'utilisation euh, pour votre parfaite information euh, la dermoscopie est la plupart du temps en x10 parfois en x20 lorsque vous avez un photofinder mais il existe des dermoscopies à x400 euh, c'est une publication euh, dont euh, Jean-Luc Perrault de Saint-Étienne fait, fait partie et euh, ça permet de voir quasiment directement les cellules pigmentées. Euh, vous ne pouvez pas la voir sur un photofinder classique qui ne monte pas à ces multiplications là. Et dans, ces, dans ce papier, euh, il montre que pour les malin malins, notamment du visage, les maladies du breuil, permet, ça permet de voir quasiment directement les mélanocytes uniques qui envahissent le follicule pileux, ce qui donne une très bonne spécificité et qui a moins de faux positifs que la microscopie confocale. Par contre, il y a un risque de manquer des mélanocytes atypiques peu pigmentés ou profonds. Ou croire à des mélanocytes s'il y a plusieurs kératinocytes qui sont superposés donc globalement c'est une très bonne spécificité mais une sensibilité qui est pas peut-être un peu moins bonne je vous ai mis ici les critères pour le LMM et ici si ça vous intéresse les critères en, pour le mélanome classique versus névus en zone du coup classique une autre publication si euh, le sujet vous intéresse mais bon la dermoscopie x400 n'est euh, pas bien euh, disponible actuellement euh, je me permets également de vous faire un petit point sur quelques petites choses euh, le DL5 a une lumière euh, à 365 nanomètres différente du coup de celle du Casio qui est à 405 et sur le DL5 euh, les auteurs ont montré que les sarcoptes de Galles apparaissaient en vert fluo ce qui permet d'encore mieux les voir je vous rappelle le stretching test qui est le fait d'étirer la peau et de faire une analyse dermoscopique sur la peau étirée qui permet de mieux vérifier euh, les marges et du coup de diminuer les exérèses en peau non saine. Et euh, au niveau de la biopsie matricielle, euh, les auteurs conseillent une biopsie longitudinale et non pas tangentielle et d'éviter l'utilisation d'un punch. Euh, je sais que c'est un sujet qui est particulièrement discuté et euh, qui n'est absolument pas consensuel. Là encore, je vous montre euh, pour votre parfaite information, mais je pense que euh, de toute façon, il n'est pas de notre ressort en médecine générale de faire ce type de biopsie. Juste que vous sachiez qu'il y a un petit débat par rapport à ça, avec un risque de faux négatif dans certains cas. Euh, voilà, donc à garder en tête selon la biopsie, le type de biopsie ou d'exérèse qui est faite. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ce format vous a plu. Euh, J'ai sélectionné les articles qui étaient les plus proches de ce que les médecins généralistes pouvaient faire en médecine générale et en dermatologie de médecine générale. J'ai évité tous les articles parlant d'immunothérapie ou de, de prise en charge très spécifique. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou en parler dans le, sur l'association pour me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse et à refaire à la prochaine sortie du DPC. Merci à vous.